Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Angle Formation. Sur cette vidéo, on va voir comment on peut désactiver le search de Windows. Donc, c'est une option. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Windows Search? Donc, c'est un service qui permet de trouver rapidement des informations pour fonctionner et s'appuie sur l'indexation du contenu de l'ordinateur. En clair, c'est un moteur qui parcourt les unités de stockage d'un PC et en cataloguant les informations de tous les fichiers. C'est à peu près comme des moteurs de recherche du web. Donc, ils cataloguent tout ce qu'il y a sur l'ordinateur, comme ça vous pouvez y accéder rapidement. Ça, il était très utile quand vous avez des disques durs HDD. Donc, mais après, avec les nouvelles disques durs, donc ça laisse Windows donc travailler en continu sur un disque dur qui est vraiment très rapide. Donc, ce n'est pas la peine qu'il soit actif, surtout si vous n'avez pas beaucoup de fichiers sur votre ordinateur et tout. Donc, en tout cas, pour gagner un peu de vitesse et désactiver cette option, je vous invite à suivre cette vidéo. Donc, tout simplement, vous commencez par cliquer sur Recherche et vous tapez Service avec S à la fin, point MSC. Donc, vous aurez cette fenêtre et après, vous cherchez Search Windows Search comme ça, donc double clic là-dessus avec le bouton gauche de la souris. Comme vous voyez, donc il s'active en différé. Donc il faut cliquer sur désactiver et après cliquer sur arrêter sur l'état de service. Donc après, vous cliquez sur appliquer, OK, tout simplement. Donc comme ça, le service sera arrêté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à s'abonner, liker cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt!